Sogeprom, c'est la filiale de promotion immobilière du groupe Société Générale. Elle compte environ aujourd'hui 325 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 750 millions d'euros. Alors, être filiale d'une banque, c'est d'abord évidemment une solidité financière pour le promoteur que nous sommes, mais c'est également la possibilité de s'asseoir sur des engagements RSE forts qui sont portés par le groupe. Et ça, à travers notre raison d'être, et également notre engagement à travers le pacte 3B, un engagement donc bas carbone, un engagement sur la biodiversité et un engagement sur le bien-vivre. Les raisons de notre engagement sur les territoires de Paris-Saclay sont les suivantes, c'est que nous sommes convaincus par l'attractivité économique, par le dynamisme que représente aujourd'hui ce territoire. Enfin, l'arrivée dès 2026 de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express sera un élément clé de l'attractivité de ce territoire. Le Central est un projet que nous développons en copromotion avec nos partenaires de Mathieu Hébard Immobilier, qui est mandataire de notre groupement, et également Pitch Promotion. C'est plus de 60 000 m² d'un projet mixte de logements, de commerce et d'activités textières. L'immeuble textière, c'est quoi? En gros, textière, c'est la contraction de technologie et tertiaire. Ce sont donc des immeubles qui vont s'adresser à des entreprises de la tech qui ont besoin de bureaux, mais aussi de laboratoires pour développer leur activité. Alors pour les copromoteurs, le Central, c'est évidemment un partage de convictions. Un partage de convictions d'abord sur l'attractivité du territoire et un partage de convictions sur l'immeuble textière que l'on va y développer. L'enjeu étant d'attirer et de pérenniser l'installation de start-up sur le territoire de Paris-Saclay. Nous avons donc travaillé avec l'agence Baumschlager Eberle, qui a déjà travaillé ce type de produit. Également le bureau d'études Ingirop, qui a de nombreuses références sur ce type d'actifs. Et afin de pouvoir appréhender au mieux les besoins des futurs utilisateurs et dimensionner l'immeuble au plus près, nous avons choisi de nous entourer de l'AMO Elix, qui a d'ores et déjà pu dimensionner pour nous les espaces de laboratoire, les espaces dédiés à la chimie, à des niveaux de confinement un peu différents, pour pouvoir répondre à peu près à toutes les demandes du secteur. Le projet textière sur le Central se développera en deux tranches. Une première tranche de 6000 m² pour une livraison à horizon 2025 et une deuxième tranche de 10 000 m² pour une livraison à horizon 2026.